m'appelle Gabrielle. Je vais bientôt avoir 13 ans. Le losange rose cousu sur la poitrine du veston de mon papa passager est déchiré. Les caméras de surveillance du boulevard les suivront jusqu'à ce qu'elles les perdent. Les couples homoparentaux, mariés ou pacsés, étaient exhortés à rejoindre les ghettos en banlieue parisienne. Les témoins présents sur la scène de l'accident diront que la voiture roulait trop vite, qu'elle a dérapé, fait une embardée. Dans la voiture au volant, il y a mon père. Sous le choc, la ceinture de sécurité lui a cisaillé la poitrine. À côté de lui, mon père. Mon deuxième père, donc qui est plus mal en point. Les témoins ne leur viendront pas en aide, la loi interdisant de porter secours à ces gens-là. Bien sûr, il n'est pas question d'interdire ces comportements, même si je les réprouve, mais de les canaliser, de faire en sorte qu'ils ne polluent pas la société. T'es trop pessimiste. Nous ne sommes pas dans la France de 1940, tout de même. Non, et c'est pire. Aujourd'hui, nous voyons l'histoire se répéter, et personne ne lève le petit doigt.